traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6 mètres 50, ouais, c'est un peu. Je sais pas si c'est dingue, c'est peut-être pas si dingue que ça, il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. Putain, quelle merde. Mais ça la flotte là. Les minis, c'est les plus petits bateaux de course au large qui se font. C'est un bateau qui fait 6,50 m, très très toilé pour son poids et sa taille. Et la particularité de la classe, c'est surtout qu'on n'a pas de communication avec la Terre. C'est sans assistance. Et c'est ça qui fait en grande partie l'essence et l'esprit de la classe mini, de la Mini Transat. La base, c'est banal, mais c'est vraiment devenir meilleur marin. Je me suis dit, attends, c'est ta première transat que tu fais en solitaire, en course, sans assistance. Ouais, l'aventure me branchait bien, ouais. Tant que t'as pas été dedans, tu te rends pas compte de ce que ça implique, en fait, de ce que ça veut dire et de ce que ça fait.